Cette mésaventure à présent vécue par 250 passagers de l'agence de voyage Jeter. Ils devaient s'envoler hier matin aux aurores pour Cuba, jusque-là tout va bien, mais ils y sont, aujourd'hui ils sont toujours bloqués en Belgique, ça c'est tout de suite moins drôle. Cette attente commence évidemment à en énerver plus d'un. Benjamin Adnet. Four d'empoigne au Sheraton de Bruxelles National. Ces passagers logés là par le tour opérateur Jeter en ont marre d'attendre. Leur avion pour Cuba, prévu hier matin, est bloqué en République Dominicaine. Un animal a été aspiré par un réacteur. Depuis, ils attendent un autre appareil, mais rien n'est prévu avant demain. Ils s'en foutent de nous, il est midi, il n'y a toujours rien. On va tous devant le comptoir Jeter à l'aéroport, et là ça va peut-être bouger. Et on bloque tous les deux autres départs du Jeter. Ils nous ont baratinés, ils ont espéré que le lapin sorte du réacteur et que l'avion revienne, et ils nous ont menti. C'est ça que je trouve, le plus gros opérateur d'Europe qui n'a aucune dignité, aucun respect pour ses passagers. Et ce ne sont pas les interventions du responsable de Jeter qui calment la situation. Pourtant, le tour opérateur affirme trouver une solution, en tout cas en chercher une, mais en cette saison de vacances, il semble difficile de dégoter un long courrier en dernière minute. On travaille dans un contexte international, ce qui veut dire qu'on doit attendre des confirmations de disponibilité d'avions, de disponibilité d'équipage, de disponibilité également d'équipage à l'autre côté du monde, puisque l'avion doit revenir également. Donc c'est une affaire assez compliquée. Une compensation financière est offerte aux passagers. Jeter leur propose le remboursement de leur séjour. Le voyage en terre cubaine semble en tout cas aujourd'hui compromis pour une bonne partie de ses vacanciers qui ne pouvaient partir qu'une semaine. Une bien mauvaise manière de commencer l'année.